vous voyez la réaction de la population. On voit bien qu'ils obéissent sans chercher à en savoir plus. Bonjour. Alors, je vous présente Ethaniel, c'est votre nouveau camarade de classe. J'espère que vous saurez lui faire bon accueil. Comme il se doit. Tu peux t'inscrire ? Sinon le nouveau pas trop chaud au soleil des tropiques. Je vais quoi, c'est les flics sous du racket ici. Mais non, je voulais juste te dire bonjour. Bah oui, quand tu nous vois, t'as pas d'amis. J'ai des potes en France, ça me suffit. Ah, des potes blancs, c'est ça? Non, des potes de toutes les couleurs, musulmans, juifs, chrétiens. Je suis pas raciste, ce que tu veux dire. Bah pourquoi tu parles mal? On est arrivé, on voulait être sociable, là tu fais ta star. Je t'ai rien demandé, moi. Tu conspires ou quoi toi? Enfin, c'est une bande de barbares qui volent des quais de manif. Quoi? On l'a bien vu aux infos, le chaudron, la réunion en flamme, tout ça. Tu nous as vu que Dimitri a été trop tout savoir chez nous? Bah c'est la même chose qu'on passe aux infos. Attends! Attends, je vais pas passer aux infos! Attends, je vais pas passer aux infos! Non, non, non mais il fait pas ça, il sert à rien! Ouais, c'est bon. Bon. Qu'est-ce qui se passe là? Non, c'est pas le bâtard là-bas, il. Ouais, mais il parle mal de tout. Salut! Salut les bâcheurs! On n'a pas bâché, mais on sort que des idées. Plutôt ennuyeux d'ailleurs. Il a raté quelque chose? Oui, il y a une boule de la place. Ah bon? Alors, il est sympa? Non, pas vraiment. Tu peux carrément dire que c'est un petit prétentieux qui se croit meilleur que tout le monde. Ah bon? Il a dit quoi? Que les gens du chaudron sont tous des barbares sans cerveau. Non. Sérieux? Il a osé? Oui, tout ça juste parce qu'il nous a vu aux infos, il a vu les émeutes et maintenant il nous prend pour des sauvages. Bonjour! Je vous amène une nouvelle recrue pour notre reportage sur le quartier. Ah non! Oui, j'ai cru comprendre qu'il y a eu une conversation un peu animée hier dans la cour de récréation. Oui, mais c'est sa faute aussi. Ben... J'ai parlé avec Ethaniel et je crois que le meilleur moyen pour lui de découvrir le quartier, c'est de participer à votre projet. Quoi? Mais il nous prend pour des sauvages. Eh bien, justement, il verra par lui-même que ses paroles étaient un peu déplacées. N'est-ce pas, Ethaniel? Oui, monsieur. Allez. Bon, je vous laisse vous organiser entre vous. Bon travail. Il est pas si méchant que ça en fait. Ouais, tu sais, il s'est fait le choix con. Ça va bien. Ouais, ça va, on peut lui apprendre quelques trucs aussi. Salut les gars. Salut, qu'est-ce que tu fais là? Oh, rien, j'ai juste un petit coup d'œil sur le montage. Ouais, c'est ça, tu vois, nous appelons le montage aussi, c'est ça? Oh, c'est bon, j'ai rien fait. Vas-y, touche à rien. Hey, laisse-moi, ne me touche pas. C'est lâche-moi, me touche pas. Bah, t'es content toi maintenant? Bonjour. Oui, en fait, on a eu un souci avec l'ordinateur. Un souci? Donc, on veut un peu de temps pour recommencer le projet. Non, c'est bon. Et Daniel, il m'a remis le film ce matin. J'ai vérifié, tout est bon. Ah bon? Oui, oui, y a pas de souci. D'ailleurs, toute la classe est là pour voir le film. Allez-y, on n'attend plus que vous. Si grandit.
ici, là. Ici, là, autant n'est pas comme ça. Il y avait cam, il y avait pain, il y avait maïs, il y avait basca, il y avait tout. Donc même si vous prenez à l'origine, bah, il n'y avait pas de béton, il n'y avait pas rien. Hein. Voilà. Vivement un euro, vivement un euro. C'était pas construit comme ça, c'était pas bâti comme ça. Il n'y avait pas de parking, c'était que des herbes, la piscine, les immeubles que j'ai vu construire. En 60, 70, et là, la ville. L'église, j'ai vu construire. Et c'est un sens des meilleurs parce que le peuple grandit pour la place. C'est un quartier de la Réunion, comme tous les autres quartiers, hein, c'est un beau quartier. Voilà. Comme un peu partout, sauf que bon, il y a des gens qui font des conneries, il y en a qui ne font pas. Voilà. Mais sur le droit, il y a été un bon quartier, bien sûr. Et on a tendance, venant d'un quartier, on a tendance à regarder les aspects négatifs de notre quartier. Et les gens vis-à-vis. C'est ça qui nous tue ici, en fait. C'est ça ici. Ben, je lui dirais, viens pas te garder dedans. C'est un bon quartier. Voilà. Et c'est surtout un quartier populaire où tout le monde peut parler avec tout le monde sans qu'il y ait de distance ou des frontières. Très, très largement. Très. On a mal à la gare. Ah ouais, on a du plus ici. Très représentatif, monsieur. Aujourd'hui, non, mais voilà, on a des jeunes, et moi j'ai 30 ans, lui il a 18, ben, on a envie d'avancer. Mais seulement, nous, on avance tous ensemble. Sans rien, sans rien, voilà, chacun partage ses idées. Malgré la mauvaise réputation qui est un petit peu véhiculée par les médias, eh bien, on est bien aujourd'hui. C'est un quartier qui a beaucoup changé, quoi. C'est-à-dire que bah, ça fait un peu plus de 30 ans que j'ai quitté le Chaumont. Le collège est très beau, respecté, pas de tags, pas de dégradation. En tant que professeur, j'ai un certain lien affectif avec ce quartier. J'aime beaucoup les élèves d'ici. Sinon, bah, c'est toujours moins un quartier de cœur, quoi. J'ai ma famille qui habite toujours au Chaumont. Alors je pense que l'aspect positif, c'est que c'est un petit quartier où il y a une forte identité, où les gens se connaissent les uns les autres et sont prêts à s'aider. Quand on m'a dit que je venais habiter au Chaudron, ben je me disais ouais, ben je vais vivre dans un quartier sale, malsain, tout le monde tape dessus. Mais en fin de compte, non, c'est un bon quartier. J'aime bien le Chaudron vu que ça fait 14 ans que j'habite ici et ben il y a des choses qui ont changé, mais genre tout le monde se connaît et il y a une familiarité. Tout le monde s'aide quand on a besoin et c'est ça qui est bien dans le Chaudron. Malgré les inconvénients et tout ce qui passe à la télé. Alors moi j'aime bien le quartier car c'est ici que j'ai tout appris dans le parcours. C'est sur cette place ici que j'ai appris à faire des figures. Moi j'aime bien mon quartier parce que c'est familial et tout le monde qui habite au Chaudron et on a grandi ensemble. Je ne voudrais pas changer d'endroit, puisque c'est l'endroit où j'ai grandi. Avec tous les gens de moi, ça n'a pas changé. Moi, j'aime mon quartier parce que tout le monde se connaît, on est tous sympas les uns les autres. C'est vrai que parfois, il y a des gens qui ne s'aiment pas, mais on finit toujours par se pardonner. Alors, on dit souvent que le Chaudron, c'est juste du béton, il n'y a que des immeubles, il n'y a que ça. Mais justement, c'est grâce à ça que j'ai commencé à faire du parcours, on peut s'amuser aussi dans la ville. Je viens tous les dimanches au marché Forain pour acheter des samoussas avec ma mamie. Et malgré les motos et les bruits, tout ça, même que ça, c'est un choix d'habiter là. Et voilà. On s'habitue aux inconvénients et aux bonnes choses. Il y a plus de bonnes choses quand on regarde vraiment. Et tout le monde s'aime, c'est la joie dans le quartier. C'est un quartier comme les autres, sauf qu'il n'y a pas de racistes, tout le monde s'aide et vraiment je trouve ça bien. Je suis content d'être ici.